Bienvenue sur le circuit international de Bahreïn. Les pilotes sont sur le point de prendre la piste et le Grand Prix pourra alors commencer. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Pérez, George Russell et Sainz, Tsunoda, Mick Schumacher, Fernando Alonso et Pierre Gasly, Magnussen, Bottas, Esteban Ocon et Zhou, Norris, Albon, Daniel Ricciardo et Lance Stroll, Latifi et Sébastien Vettel qui partent dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Et bien sûr, accueillons chaleureusement mon acolyte du jour, aussi expérimenté que perspicace, le seul et unique Jean-Éric Vergne. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen ? J'ai été impressionné par sa performance en qualification. Mais est-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent ? Ceci dit, tout incident qui surviendrait au premier virage changerait complètement la donne. Espérons que toutes les monoplaces s'en sortent intactes. Bon, c'est parti.
DRS est maintenant disponible. Avec le pilote de devant est de 1,7 secondes. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,6 secondes. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé.
voir de nombreux sourires sur le muret des stands après cette épatante victoire ici à Sakhir. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe travail. Jean-Éric Vergne, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe.